C'est votre droit. Avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. Dans les dossiers que nous avons eu à traiter, ça nous est arrivé d'arriver une fois que l'expertise avait été faite, sans avocat, et dans les autres dossiers où nous intervenons dès l'expertise, nous avons constaté une différence de 20% à la fin, à titre indemnitaire. 20% de moins pour ceux qui se sont défendus seuls à l'expertise et qui ne sont pas allés à l'expertise avec un avocat. Lorsque l'on va à l'expertise, derrière, il y a deux possibilités. Ou le tribunal est saisi et c'est le tribunal qui tranche, ou il n'y a pas de tribunal saisi et alors on négocie avec l'assurance. Mais on ne négocie pas ce qui n'a pas été dit et constaté lors de l'expertise. L'expertise est donc le moment le plus important de la procédure et c'est bien souvent trop tard que les gens saisissent un avocat. Donc l'idée, c'est de leur dire saisissez un avocat le plus rapidement possible, celui que vous estimez le plus compétent possible, il y en a beaucoup évidemment au barreau de Lille, et faites-vous accompagner à l'expertise pour ne pas être victime une seconde fois. C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille.